Jamel. Bonjour Jamel. Et oh, laissez-moi pas tout seul. Décale. Non, prends. Aïe, yo, visite. Bonjour Carrefour. Ah oui, bonjour Carrefour. Mais il est pas là, Théo. Ouais. Expliquons à Jamel. Alors, c'est une création collective de nous, plus celui qui est pas là, Théo. Du coup, c'est un projet artistique. Ouais. Parce que comme tu peux le voir, nous sommes des artistes. Toi, t'expliques bien. Moi, j'explique bien. Moi, c'est du théâtre. T'es qui? Pourquoi tu pleures? Qu'est-ce que tu fais là? T'es rentré par où? Voilà. Non. Bon, du coup, t'es qui? Peter. Bon. Peter. Je suis Wendy, enchantée. Pareil. Ouais. Mais on danse aussi. Il y a de l'animation. Ouais, elle danse. J'ai déjà dit. Pour rebondir alors. Nous avons réfléchi sur la disparition d'enfants. Donc des enfants qui disparaissent, qui fuient, qui se font enlever, enfin voilà. Et donc on a eu envie d'imaginer que ces enfants qui avaient disparu n'étaient pas nulle part et qu'ils étaient peut-être arrivés à Neverland avec Peter Pan. Ouais, il y a Peter Pan, il y a Wendy. Il y a Lily la tigresse. Ouais, Clochette. Et crochet. Bon là, ça y ressemble pas trop, mais tu verras, ça va bien. Donc c'est un spectacle engagé. On s'est mis en partenariat avec une association qui du coup s'occupe des familles qui ont eu des enfants qui ont... Oh putain la vache. Donc cette association a pour nom le Centre Français de Protection de l'Enfance, CFPE. C'est une association française. C'est une pièce qu'on a envie de faire vivre parce qu'elle nous tient beaucoup à cœur. Donc on a besoin de soutien. On a besoin de toi, Jamel. Carrefour aussi, bien sûr. Ouais, bien sûr. Bisous. Born to be alive.